à tous et à toutes, faire des coussins en forme de cœur, ça vous dit? Facile, rapide et pourquoi pas à partir de recyclage. On y va? Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des coussins, tout simple. Ou vous allez partir de zéro, vous faites votre propre coussin, ou vous allez, comme moi, recouvrir des vieux. À vous de voir. Ce qui est important, c'est prendre la mesure de votre coussin. Celui-ci fait 40. Généralement, les classiques, c'est 40 sur 40, plus les valeurs de couture. Donc, on va tracer ici 42 sur 42 pour obtenir un carré. Vous avez coupé votre carré, vous avez prévu 1 cm de couture pour chaque côté. Et comme nous allons continuer notre préparation de Saint-Valentin, vous aurez besoin d'une feuille pliée en deux, dessiner des cœurs de différentes tailles. Coupez. Je t'aime un peu. Beaucoup, etc., etc. Vous les positionnez sur votre carré, épinglez et tracez. Éloignez-vous des bords de 3 cm et tracez à l'intérieur. Avant de continuer, je vous invite à prendre un échantillon de tissu que vous allez prendre et plier, car aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de la machine. Vous avez tous une machine avec de différents points. Généralement, on fait toujours ce point droit et notamment le zigzag. Mais on n'ose pas aller voir un peu ailleurs. Et aujourd'hui, on va essayer de les découvrir. Enfilez votre machine d'une couleur différente de l'échantillon choisi. Vous sélectionnez suivant votre choix. Je vais prendre le 5, admettons. Et vous allez venir piquer. À côté, mettez 5, le chiffre. Et faites la même chose pour les autres. Et vous allez en faire plusieurs. Une fois que vous avez décidé du point, vous allez venir et broder autour du cœur. Surtout, enfilez votre machine d'une couleur différente. Votre broderie est faite, vous mettez l'endroit du morceau contre l'endroit, épinglez tout autour, piquez à valeur de 1 cm, laissez une grande ouverture pour pouvoir introduire votre coussin. Faites point d'arrêt début, piquez tout autour et vous finissez par un point d'arrêt. Faites un point de zigzag tout autour et aussi à cette partie ouverte. Bout de point zigzag ou surfilage fait. Retournez à l'aide d'une baguette. Ressortez bien les angles pour une plus belle finition. Introduisez votre vieux coussin ou remplissez de ouate. Épinglez. Enfilez votre aiguille et venir faire un point de couture à la main tout le long. Celui-ci, vous venez de le faire. Passons maintenant au deuxième coussin. Idem, faites la même chose que le premier coussin. Vous avez votre carré. Prenez un autre morceau de tissu de la couleur que vous voulez. Découpez des formes de cœur, des moyens, des petits, des grands. Les placez suivant votre choix. Et vous allez venir faire un point de broderie tout autour en laissant une petite ouverture pour chaque. Cette petite ouverture va nous permettre d'introduire de la ouate. Épinglez et vous n'aurez plus qu'à venir et broder tout autour. Surtout, ne pas oublier votre ouverture. Prenez de la ouatine, remplissez vos cœurs, aidez-vous d'une baguette ou autre chose. Et donner une jolie forme et fermer les parties avec le point de broderie que vous aviez choisi. Poussez bien votre ouate à l'intérieur et finalisez.
partir de là, vous n'aurez plus qu'à procéder de la même manière que pour celui-ci. La même opération, l'endroit contre l'endroit, vous épinglez et vous faites le deuxième. Non seulement vous venez de faire des coussins, mais en plus vous venez de faire vraiment connaissance avec les différents points de votre machine. Et ça, c'est vraiment très très bien. Alors, en attendant le prochain rendez-vous, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!